Du 24 au 28 juillet, le camp de la transportation de Saint-Laurent-du-Maroni a accueilli le sculpteur fondeur sur bronze, Firmin Sanou, venu du Burkina Faso pour une résidence artistique avec des jeunes de la commune. Le but de cet atelier, c'était de partager mon talent d'artiste avec les gamins. Et en plus avec eux, c'était de leur montrer ce que c'est que la technique ancestrale de la cire d'abeille au Burkina. Puisque la technique, ils ne le connaissent pas ici. Et moi, j'ai essayé de véhiculer ce message-là avec eux. Et en leur donnant la cire, je leur ai permis de s'exprimer de ce qu'ils peuvent faire avec la cire. Puisque la cire, c'est la matière de base, elle est molle. Et c'est comme la pâte à modeler, tu peux t'amuser en créant. Et avec les gamins, je leur ai laissé exprimer. Sinon, je pouvais faire avec un thème. Mais pour une première pour eux, je les ai laissés exprimer dans la cire et les résultats, voilà ce que vous voyez maintenant. C'est à partir de ce moule fait de cire d'abeille entouré de terre cuite que le bronze fondu prend forme. Un art ancestral que Firmin a pris des années à maîtriser. Mais forcément, je l'ai appris au Burkina Faso auprès des anciens, d'autres sculpteurs qui m'ont appris. Et voilà, j'ai fait beaucoup d'années d'apprentissage. Si aujourd'hui je suis là, c'est que j'ai été aussi patient. Ce travail, ça demande beaucoup de patience. Et là, moi, je suis assumé tout. Et puis voilà, aujourd'hui, je ne dirais pas que c'est fini l'apprentissage, parce que chaque jour on apprend, mais quand même déjà, je peux me compter parmi les artistes. Firmin reviendra l'année prochaine dans la commune avec un visa d'artiste pour continuer à faire découvrir sa passion avec des interventions déjà prévues à l'école élémentaire d'Espérance et au lycée Lumina Sophie.